Eh bien bonjour à tous, c'est Chabit466 pour plein de tutos en vrac. Aujourd'hui un nouveau tutoriel sur After Effects. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait, donc on va commencer tout de suite à créer un time freeze multiple. Donc pour vous montrer à quoi cela ressemble, je vais vous faire un petit aperçu en vidéo. Donc tout simplement un time freeze, plusieurs images, enfin disons ouais, des images qui vont s'entrechoquer à l'arrêt sur une vidéo. Donc pour cela, on va ouvrir After Effects et on va tout de suite commencer. Donc je vais tout effacer ma composition, partir à zéro comme d'habitude, afin que vous puissiez voir vraiment toutes les étapes à suivre. Donc vous allez ouvrir After Effects et vous aurez exactement le même panel que moi. Donc tout ce qu'on va faire, c'est double-cliquer sur ce panneau-là, afin qu'on puisse aller chercher notre vidéo. Donc pour ma part, elle est là, ouvrir. Ensuite de cela, elle est en 1280 par 720. Si vous voulez, vous pouvez garder ces mêmes réglages-là. En général, c'est ce que la plupart des gens font. Donc pour ma part, ça sera pareil. Donc vous allez tout simplement la sélectionner et la glisser sur l'icône de composition et relâcher. Donc ça va créer une composition à cette taille-là, donc à la taille de votre vidéo et à la fréquence d'image de votre vidéo qui est pour ma part 59 images par seconde. Donc si vous voulez changer ces paramètres-là, vous avez tout simplement à aller dans Composition et Paramètres de la composition. Là, vous pouvez remarquer qu'on a exactement les mêmes paramètres que notre vidéo donc, qui s'affiche et la cadence d'image. Donc, si vous voulez la changer, vous pouvez, il n'y a pas de problème. Après, le rendu sera nettement plus rapide si vous baissez votre cadence d'image. Je vais laisser telle qu'elle, donc qui est une durée de 4 secondes. En résolution, vous ne touchez pas. La couleur d'arrière-plan, c'est égal, peu importe la couleur. Donc, on va cliquer OK et on va pouvoir commencer à traiter notre vidéo. Donc cet effet là, c'est très simple à le réaliser. Vous allez vous placer à l'endroit où vous voulez qu'il y ait une image qui se crée et qui reste, qui reste frisée. Donc disons à peu près ici, j'aimerais que cette image soit gelée ici. Donc on va déjà passer en qualité intégrale, c'est très important pour pouvoir mieux détourer le personnage, on va le voir tout de suite pourquoi. Donc vraiment intégrale, et ici ben, vous avez l'onglet où vous glissez sur la timeline à l'endroit où vous voulez que ça frise l'image. Donc ensuite vous sélectionnez votre calque vidéo, vous faites commande D pour dupliquer, ou alors édition, dupliquer, commande D, vous pouvez voir le raccourci, ou contrôle D sur Windows. Premièrement, je vais déjà renommer aussi mes vidéos, ça sera beaucoup plus simple. Si vous faites 5, 6 time freeze, ça sera beaucoup plus simple de les renommer. Donc je vais appeler celui-ci en non, pas en double-cliquant dessus, juste tout simplement, on va revenir sur la composition, juste en cliquant et appuyant sur Enter, vous allez la renommer, je vais dire que c'est la vidéo. Comme ça, au moins je saurai que c'est sur cette base-là que je vais me fonder. Et la deuxième, ça sera, on va l'appeler time freeze. Comme vous voulez, time freeze 1. Voilà. Alors, pour le time freeze 1, sur ce calque, on le sélectionne, on fait clic droit, instant, geler l'image. Donc maintenant, elle est gelée. Et vous n'allez pas la déplacer, l'image. Enfin, c'est égal, elle est gelée. Mais vous allez juste retirer l'onglet ici et le ramener en appuyant sur Shift vers. Vous voyez que ça se colle si j'appuie sur Shift après. Vous laissez appuyer Shift et après vous lâchez dès que vous êtes au niveau de la timeline. Donc même si je suis à zoom, vous voyez que je suis exactement pile à l'endroit où elle devra geler. Donc jusque là, dès que ça c'est fait, vous sélectionnez toujours le time freeze. Et vous allez venir chercher l'outil plume. Et avec cet outil plume, vous allez utiliser la molette de votre souris afin de pouvoir zoomer sur la vidéo. Et en appuyant sur espace, vous avez une main qui va apparaître. Donc ça sert à déplacer votre image quand vous avez zoomé. Donc je vais encore zoomer, plus vous êtes précis sur le détourage avec l'outil plume, plus la vidéo donnera vraiment bien. Donc on va commencer à détourer. Voilà, donc le détourage est fait, donc c'est simplement avec l'outil, vous faites des clics afin d'ajouter des points où il y a des contours, etc., des angles. Donc dès que ça c'est fait, vous pouvez aller ouvrir
la vidéo, enfin l'image gelée time freeze afin de voir les paramètres du masque, ou tout simplement vous appuyez sur M et vous pouvez voir que masque s'affiche automatiquement. Donc sur M, et vous avez contour progressif du masque. Personnellement, je vous conseille de mettre 1 ou 2 pixels de contour progressif, ça donnera mieux. Après, c'est sûr que si vous n'êtes pas du tout précis sur le masque, ça va se voir. Et je pense que là, comme vous pouvez le voir ici, même ici avec un contour progressif de 2, on peut voir que là, il y a quand même. Ça laisse à désirer. Après, bien sûr, la caméra peut aussi faire toute la différence si vous avez vraiment une bonne caméra. Donc, si on met 1, vous pouvez voir qu'ici, ça devient encore un petit peu plus petit. Donc, c'est à vous de voir après dans les réglages si vous voulez mettre 1, 2, 3, 5. C'est vous qui voyez suivant les détails. Donc, dès que ça, c'est fait. Je vais remettre ajusté à 100. Donc vous voyez, à cette taille-là, on s'en aperçoit pas trop. Donc vous pouvez le voir maintenant, cette image-là, toute cette image, bien sûr, il ne faut pas la bouger dans la timeline, sinon ça va tout foncer. Donc vous pouvez le voir, l'image, elle est frisée, elle est bloquée là, elle ne va pas bouger. Et vous pouvez faire ça après des milliers de fois, c'est comme vous voulez. Donc je peux en faire encore une pour vous remontrer. Donc disons, à cette image-là, donc on resélectionne une vidéo. Toujours la fichier de base, la vidéo, et on va faire de vos contrôle ou commande D pour Mac et contrôle D pour Windows, et on va tout de suite la renommer en appuyant sur, en sélectionnant la vidéo et en cliquant sur Enter, on va l'appeler Time Freeze 2. Comme ça, on va tout de suite mieux s'en sortir. Et après, ça reste pareil, nouveau, on ramène la visuelle, la vidéo en appuyant sur Shift pour le mettre au niveau de la timeline où on s'est arrêté avec notre vidéo. On va faire clic droit sur Time Freeze 2, instant, et geler l'image. Et maintenant, on recommence à faire le masque autour de notre personnage. Je vais le faire rapidement parce que je pense que vous avez vu comment ça se passe. Donc, on fait des clics à chaque angle. Hop. Et voilà, comme ceci. Donc, comme avant, on appuie sur M ou alors on déroule l'onglet ici pour aller dans les paramètres du masque et un petit contour progressif de 1 ou 2 suivant votre vidéo. Et là, comme vous pouvez le voir, ça va faire un arrêt sur image ici, un arrêt sur image là, et la vidéo va continuer. Après, sur la vidéo, j'avais juste ajouté deux bandes noires pour faire un petit peu plus. Un peu plus ce film, je dirais. Ça, c'est pas du tout compliqué. Il suffit de sélectionner tous vos calques. Vous faites calque, pré-composition. Donc, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, final par exemple. Vous cliquez sur OK. Et ici, vous avez tout simplement, ça vous a fait un dossier, disons, avec toutes vos vidéos. Donc, ça sera plus simple. Donc, dans le final, il y a, ben, si vous double-cliquez, il y a vidéo, time freeze et time freeze 1. Donc, c'est plus simple après pour travailler. Donc tout simplement pour mettre deux bandes noires, c'est vraiment très simple, je pense que vous l'avez même déjà vu, c'est vous créez un calque, donc calque, créer solide. Bien évidemment, votre bande, si vous voulez qu'elle soit noire, vous mettez une couleur noire. Après le nom, vous pouvez le renommer comme vous voulez, bande noire, ça c'est comme vous voulez. Vous cliquez sur créer à la taille de la composition, en général c'est déjà le cas, et ensuite sur OK. Après tout ce que vous avez à faire, c'est prendre l'outil rectangle ici, bien évidemment il faut que la bande noire soit sélectionnée, si elle est comme ça va rien faire du tout. Il faut sélectionner bande noire et vous venez juste faire un rectangle sur votre vidéo à peu près égal et ensuite vous cliquez sur inverser. Voilà, vous avez vos deux bandes noires. Après pour pouvoir faire un rendu de votre vidéo, vous allez tout simplement dans composition, ajouter à la file d'attente de rendu, vous faites vos réglages ici. Donc, comme vous voulez, pour ma part, je clique juste sur la flèche et je mets H264. Et vu la destination, donc, pour ma part, on va l'appeler Time Freeze. Je vais la mettre sur le bureau et je vais cliquer enregistrer, ensuite sur rendu. Et voilà, votre vidéo se met en rendu et elle se termine d'ici même pas 20 secondes. Donc, pour ma part, c'est tout pour cette vidéo After Effects. Ça faisait un moment que je m'étais pas relancé sur After Effects. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye!